nous allons voir comment régler une fréquence de rotation sur un tour parallèle. La fréquence de rotation, c'est le nombre de tours par minute effectués par la broche. Les leviers de réglage. Le sélecteur volet harnais. Position volet repérée en bleu. Position harnais repérée en blanc. Les leviers de vitesse. Celui-ci a trois positions. Ligne A en bleu, correspondant à la volée, en blanc, correspondant au harnais. Ligne B, volée, harnais. Ligne C, volée, harnais. Et ce levier a également trois positions correspondantes aux trois colonnes. Volée, harnais. Le réglage. La fiche descriptive nous indique des valeurs à régler. Prenons la première, 2000 tours par minute. Nous prenons la vitesse inférieure la plus proche, ici 1600. En bleu, volée. Ligne B. Celui-ci en dessous de sa colonne. Essai. Prenons maintenant cette valeur, 800 tours par minute. Volée. B est en place. Mettons l'autre levier dans sa colonne. Essai. Troisième réglage, 250 tours par minute. Volée. Premier levier, position C. Deuxième dans sa colonne. Si la vitesse ne passe pas, on fait bouger le mandrin à la main. Essai. Maintenant, à vous de trouver. On est au harnais. Quel est le nombre de tours sélectionnés ? Position A pour le premier levier. Position centrale pour le deuxième. 160 tours par minute. L'erreur la plus courante est une erreur de sélection volet harnais. Observez et écoutez les différences de vitesse. En position harnais, 200 tours par minute. En position volée, 1600 tours par minute. La sécurité. Petit rappel. Le mandrin ne peut tourner que si le capot de sécurité est baissé. Mais pour manœuvrer le mandrin à la main, il est impératif que le capot soit levé. Le réglage que nous vous avons présenté peut être différent d'un tour à l'autre. Avant de régler la fréquence de rotation sur une autre machine, vous devrez repérer les leviers de vitesse de cette machine.